La boule postale, pourquoi je fais cette vidéo? Bah, tout simplement parce que j'ai envoyé une lettre. Donc j'ai renvoyé mes contrats de travail signés avec mes feuilles d'heure. Comme je travaille à l'intérim, je les ai envoyés il y a plus d'une semaine à mon agence d'intérim. Et cerise sur le gâteau, ce matin, j'entends toquer à la porte. Toc, toc, toc. Bon, je me suis dit, c'est encore la gendarmerie. Eh bien non, donc j'avais quand même le sourire. Donc, suite à ça, le facteur me dit, vous avez envoyé une lettre, mais le poids dépasse la valeur du timbre. Il me dit, c'est une lettre donc qui est taxée, 3,65 €. Je lui dis, mais comment se fait-il qu'elle est taxée? Je cherche l'explication, je demande l'explication, il me dit, parce que, eh bien, elle est partie, votre lettre, et puis bah, là-bas, au point d'arriver, le poids dépassait donc la valeur du timbre. Alors je lui dis, mais comment se fait-il que là où j'habite, donc là où vous êtes, là où vous travaillez, il y a un centre de tri? Donc vous m'insinuez que vous avez fait partir cette lettre, sachant qu'elle dépassait le poids. Je dis déjà, ça ne colle pas ce que vous me dites. Mais gentiment, hein, c'est pas après lui que j'en voulais, c'est après leur système. D'ailleurs, je lui ai dit, je vous parle à vous, mais c'est après votre système. Comment pouvez-vous me dire que la lettre est partie, vous voulez me taxer, alors que normalement, bah, là où vous travaillez, là où je suis dans ma ville, vous le voyez, puisqu'avant de la faire partir, les lettres sont pesées. Voilà, et quand c'est comme ça, quand le poids dépasse la valeur du timbre, eh bien tout simplement, la lettre ne part pas, il la remet, donc il la renvoie à l'expéditeur, et au stylo, il marque dessus, voilà, il barre la lettre, et tout simplement, il met un grosso modo un message, le poids dépasse la valeur du timbre. Donc, c'est très compréhensible, hein, normalement, généralement c'est compréhensible, ça veut dire que, bah, il faut renvoyer votre lettre, mais avec deux timbres, par exemple, au lieu de, bah, au lieu de un. Alors, je m'étais tâté quand même de mettre deux timbres le jour où je l'ai envoyé, je me rappelle, mais je me suis dit, normalement, ça passe, bon. Je me suis dit, il y a peut-être une feuille format A4 en trop, mais je me suis dit, ça devrait passer, voilà, ça devrait passer, généralement ça passe. C'est pour ça que je l'ai envoyé, hein. C'est pas volontaire. Hein. Il y en a qui le font peut-être volontairement. Mais le problème, l'arnaque, c'est qu'il a voulu me taxer alors que la lettre n'est jamais partie. En tout cas, si elle est partie, là-dessus déjà on n'a pas de preuve. Si elle est partie, ça veut dire qu'ils ont mal fait leur travail. Parce que la lettre n'aurait jamais dû partir étant donné que, si là où vous la mettez, il y a un centre de tri, la lettre ne doit pas partir. Elle doit repartir au courrier, c'est-à-dire bah, comme si elle vous était redistribuée, sans taxe, sans rien. Donc voici l'arnaque de ce jour. Donc, si ça vous arrive, si vous êtes sûr que, par exemple, dans votre ville, il y a un centre de tri, eh bien, ne payez pas. Par contre, si ce sont des documents importants que vous avez envoyés, le problème, c'est que bah, ça va être un peu... Bah, vous allez devoir payer parce que pour récupérer votre lettre. Parce que sinon, vous ne pouvez pas récupérer votre lettre. Donc moi, pour mon cas, je m'en fous. Puisque de toute façon, ce sont... c'est une copie de mon contrat de travail. Et mes relevés d'heures. De toute façon, j'ai les doubles. Et de toute façon, il m'a dit, de toute façon, si vous ne payez pas, la lettre va être détruite. Je ne sais plus où est-ce qu'il m'a dit, hein, il va être détruit. Bah, je dis, si vous voulez, je la déchire devant vous. Donc il a appelé son responsable. En plus, cerise sur le gâteau, je suis à la banque postale, j'ai un compte à la banque postale, et malgré ça, eh bien, il vous inflige une taxe. Donc faites attention, ce n'est pas normal. Si ça vous arrive, bah, c'est à vous de voir, en tout cas. Moi, j'ai refusé de payer. Je vous invite aussi à refuser de payer, mais comme je vous dis, si c'est l'original que vous avez envoyé et vous y tenez, et ben là, malheureusement, il va falloir payer. Et cerise sur le gâteau, parce que j'ai oublié de vous dire, je lui ai dit, mais si je vous paye, comment ça se passe après? Il m'a dit, ben, si vous me payez, je vous rends votre lettre, et ensuite, vous devez la renvoyer. Alors, cerise sur le gâteau, j'ai dit, en plus, il faut que je remette encore deux timbres. Donc, ça veut dire que vous m'avez niqué mon timbre, un coup de tampon, or que vous n'auriez dû jamais mettre de coup de tampon, puisqu'elle dépassait le poids. Donc, il vous nique exprès votre timbre, il vous taxe, et vous devez repayer, sachant que le prix des timbres a augmenté. Voilà.
J'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que vous m'avez compris. C'est tout. Et puis en même temps, je vous laisse aller sur Trustpilot et puis regarder les avis. Voilà. Alors certains disent non, il y a des faux comptes. Ils mettent exprès, ils descendent les sociétés, les machins. Bah écoutez, vous dites ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà mis des avis sur ce site-là. Voilà, je ne suis pas un faux compte ni rien. Et on le voit. Donc voilà un petit peu le topo, la banque postale. L'arnaque de l'année 2021, on va dire.